Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire la V4 de la race Minx. Donc du coup, c'est la race la plus rapide de Bloxroot. Donc déjà, rien qu'avec la compétence T, regardez la vitesse que j'ai. Genre, c'est abusé comment il court super vite. Et si en plus de ça, j'équipe le petit casque de pilote, c'est encore plus rapide. Déjà, regardez juste la vitesse du casque de pilote, quoi. C'est abusé. Ma compétence elle est rechargée et regardez la vitesse. Alors, casque de pilote plus la compétence de la V3. Allez, regardez la vitesse. Boum, purée, comment ça court trop vite. Ah ouais, non, mais là, c'est abusé comment c'est hyper rapide, en vrai. Mais avant de faire la V4, les refs, on va tout simplement faire le petit random. Allez, j'espère que je vais avoir de la chance, parce que là, en ce moment, j'ai vraiment pas de chance. Allez, c'est parti. Hop, très bien, fruit aléatoire, acheté, et... Ok, bon, bah, j'ai encore pas eu de chance. Le fruit de la pique, eh bah, c'est un petit peu gaze. On va juste le mettre... Ah bah, en plus, je l'avais plus. Ok, bon bah hop, ça part dans l'inventaire et puis ça va être pour du coup les prochains raids que je vais faire en live. Du coup les amis, et ben pour faire la V4, il faut tout simplement aller au-dessus de cet arbre. Donc du coup c'est parti, on y va. Alors moi je vais y aller avec mon petit portal. Parce que du coup, ah non attendez, on va pas utiliser... Ah mais j'ai pas de fruits... Ah si, on va utiliser magma, c'est peut-être plus simple parce que portal ça va me faire un peu bugger je pense. On va utiliser le petit fruit du magma, voilà nickel. Hop, et on va utiliser la balette bête, voilà bon, en vrai ça veut rien dire. Mais au moins, c'est sûr, on va réussir à aller au-dessus de l'arbre assez facilement. Tac, on a juste à passer par là. Attendez, je sais même pas si je peux passer par là, en fait. Non, ok, ouais, ça fait un gros bug. Bon, on va faire ça, on va faire un gros détour. Hop, on va sortir de l'arbre. C'est dommage, parce que moi, j'aurais bien voulu qu'on puisse le traverser, mais on peut pas du tout. Hop, voilà. Non, pourquoi il a explosé? Non, il a explosé le ref. Attends, hop. On va utiliser la petite spiky trident. Hop, et voilà, on réutilise le vol de bête. Let's go, c'est bon. Hop, on va pouvoir aller du coup au-dessus. Alors, du coup... Non mais, alors là, il faut trouver la logique. Pourquoi est-ce que ça me bloque et là, ça me fait traverser? C'est totalement illogique. Voilà, c'est bon, on y est enfin. Et franchement, j'ai galéré. Hop, et du coup, il va falloir tout simplement rentrer à l'intérieur comme d'habitude. Hop, et on fait ça. Et voilà, let's go. Du coup, on est dans le temple du temps. Et c'est ici où est-ce qu'on va pouvoir faire notre V4. Hop, on active le petit levier, voilà. Et on va rentrer ici dans le petit truc. Et pour moi, Rabbit, alors du coup, je sais pas du tout où c'est pour... non, ici, c'est Shark, ça se voit. Ici, ça doit être Cyborg. Parce que du coup, Cyborg, ça fait un peu mécanisme et tout. Bah, Rabbit, ça doit être ça, non? Parce que ça me fait penser... Ouais, si, c'est sûr. Bon, ok, bon, je pense qu'il n'y a pas, pas d'autre solution. Hein, parce que bon, il y a vraiment un dessin de lapin ici. Donc, c'est sûr et certain, c'est ici. Mais le dernier truc qui manque pour pouvoir faire la V4, c'est tout simplement la pleine lune, parce que bon là, il n'est pas encore le moment de la pleine lune, donc du coup, il va falloir attendre un peu. Et du coup, j'ai trouvé deux personnes aussi pour pouvoir faire la V4, donc c'est plutôt nickel. Bon bah du coup, j'attends la pleine lune et je vous reprends une fois que la pleine lune elle est tombée, les refs. Ok les gars, du coup, la pleine lune est tombée et c'est parti, on va faire la V4, donc je dois faire le petit décompte. Ok, c'est bon du coup, hop, ça va se lancer dans 3 secondes, allez, c'est parti, hop. Let's go! Du coup, il va falloir tout simplement trouver un carré rouge. Donc, bon, en vrai, ça va, c'est assez rapide. Je sais pas, du coup, s'il change d'endroit à chaque fois. Mais hop, on va passer par là. Tac, tac, tac. Ouais, moi, je suis un expert. Voilà, let's go! Je vous l'avais dit, je suis un expert. Hop, et du coup, il va falloir tout simplement attendre que les deux autres finissent leur petit trial. Alors, il y en a un, je crois, c'est du parcours, vu qu'il est ange. Et le dernier, c'est Shark, je crois, c'est... Non, je sais même pas ce qu'il doit faire, il doit pas battre un cibiste, je crois. Ouais, non, je sais plus ce que Shark, il doit faire, je crois, ça doit être un cibiste. Ok, c'est bon, du coup, ouais, ok, bon, je pense, à mon avis, il devait faire un cibiste. Et voilà, bon, bah, ils se sont reset, ça, c'est gentil. Et c'est let's go, du coup, on va pouvoir faire la petite amélioration, donc il faut suivre la petite spirale, là, comme ça. Et on va tout en haut, voilà, allez, c'est parti, on va faire la petite V4. Donc là, c'est la transformation, donc du coup, bah, je vais pouvoir me transformer, j'aurai la petite barre rouge en bas, ok. Alors, je sais pas, ouais, d'accord, ouais, je dois faire ça en prems. Et du coup, je sais pas quoi prendre entre... Ah bah non, je crois au début, on choisit pas. Attendez, je sais même pas, en fait. Si, come back, you win, complete the trial again, ok. Bon, bah, au moins, on a la transformation, donc ouais, la barre, elle est en bas à gauche. Et du coup, bah, il va falloir tout simplement que je me prenne des dégâts pour pouvoir utiliser la V4, donc c'est parti, on va sortir. Ok, c'est bon, du coup, on va pouvoir se faire des dégâts. Hop, voilà, mettez-moi en PVP, let's go. Allez, hop, je vais leur dire, hop, go me taper. Allez, prenez-moi des dégâts. Mettez-moi des dégâts, les refs. Bon, je vais mettre des dégâts aussi, hein, parce que du coup, c'est en mettant aussi des dégâts qu'on va pouvoir... Mais non, j'ai pas envie de me TP. Ouais, stop, 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 stop. Ok, bon. Par contre, il faut que X-Ray se mette en... Mais non, pourquoi X-Ray, je l'ai pas? Mais X-Ray, j'arrive pas à le taper. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Non, il m'a tué. Ok, c'est bon, du coup, on y retourne. On va essayer de se prendre des dégâts cette fois-ci.
Bon, en vrai, non mais Angel, ça fait trop de dégâts, c'est abusé. Hein. Bon, on va juste se stopper au moment où est-ce que du coup j'ai plus de PV. Hop, allez, prends-toi les dégâts. Mais pourquoi il m'a demandé mon haki? Ah bah voilà. Tac, allez hop, on va lui mettre des dégâts pour essayer de le recharger. Voilà, on va aussi faire la même chose. Non, par contre, attends, mais ça, le problème, c'est que ça me fait trop de dégâts, mais ça fait trop de dégâts, c'est abusé. Ok, c'est bon, non, c'est bon, j'ai la transformation. Allez, c'est parti. Du coup, c'est Y. Et voilà, let's go. Eh, j'ai les cheveux tout blancs, c'est abusé. On dirait j'ai le Gear 5, là, c'est n'importe quoi. Eh, franchement, elle est archi stylée, la race. Bah, du coup, on est censé courir très, très vite. Alors, en vrai, ouais, j'ai pas trop la différence pour le moment. Je pense, à mon avis, c'est avec les améliorations qu'on a la différence de vitesse. On va juste équiper le chapeau. Hop, plus ça. Non, ok, d'accord, le truc, il est... Ah non, je peux pas équiper d'objets pendant le combat, dommage. Et du coup, avec ça, bon, en vrai, du coup, niveau vitesse, ça a pas trop changé, je crois. Alors, peut-être qu'il faut faire des trucs, je sais pas, en fait. Non, c'est vraiment quand on sera, du coup, avec une amélioration. Donc là, il faut que je l'utilise pendant une minute. Donc, il va falloir que je le réutilise encore un peu. Hop, voilà. Je lui mets des dégâts. Je lui en mets aussi. Allez, hop. Allez, tapez-moi. Let's go, stop. Nickel. Bon, allez, hop. On remet la petite transformation. Voilà. En plus, il y a un petit fruit qui a spawn à 700 mètres. En vrai, ça va, c'est pas très loin. Bah, ça doit être ici, je pense. Bon, c'est pas grave. On va juste au moins faire la petite amélioration pour dire d'avoir la première compétence. Hop. Bon, bah, il faut juste attendre. Hein. Du coup, une minute, c'est un peu long quand même. Bon, logiquement, ça devrait être bon. On va juste parler, du coup, à la petite sphère rouge qui se trouve dedans. Voir, du coup, si je peux encore faire la V4. Allez, c'est parti. On va lui parler. Alors du coup c'est là-bas, hop, voilà, alors du coup qu'est-ce qu'il va me dire? Tac tac, fragment, ok, donc il me faut des fragments, ok, donc là il me demande, est-ce que je veux passer au truc, ah mais non, je crois du coup il faut encore que je l'utilise, ah mais il faut encore que je m'entraîne, bon bah c'est pas grave, on va encore se faire un petit entraînement, hop, il faut sortir ici, voilà, bon en vrai c'est un petit peu ça le problème, c'est que du coup bah on a envie de se dépêcher pour la full moon, mais le problème c'est que c'est quand même assez lent, allez hop, on se fight. Voilà, bon, eh mais X-Ray, il est où là le ref? Ok, c'est bon, on peut se transformer. Voilà, bon, logiquement, c'est censé être la dernière transformation avant de pouvoir faire l'amélioration de la V4. Eh, franchement, avec l'haki rouge, les lunettes de Doflamingo et le chapeau et tout, franchement, il est hyper stylé comme ça, mon skin, en vrai, c'est abusé. Bon, là, logiquement, ouais, comme il a dit, ça devrait être good. Allez, c'est parti, on va rentrer et on va essayer de reparler à la petite sphère. Et du coup, bah, je vais leur dire si on refait le trial ou pas. Ok, c'est bon, et voilà, hop, du coup, je retourne là-bas directement faire le trial, tac, alors du coup, ouais, moi, c'était bien ici, parfait, let's go, voilà, let's go, ah, ça, c'est de la bonne coordination, ça, là, du coup, ça passe tranquille, bon, allez, c'est reparti pour faire le petit labyrinthe, alors, du coup, à mon avis, je sais pas, j'ai l'impression que c'est toujours au même endroit que le carré, il spawn, on va essayer de retourner au même endroit, alors, du coup, je suis passé par, non, bah, ok, d'accord, je suis vraiment en train de me faire troller par le labyrinthe. Ok, par là, tac, tac, tac. Et en vrai, oh, mais total impro, et en plus de ça, je l'ai trouvé, mais c'est abusé. Ok, c'est bon, du coup, bon, bah, ils se sont reset, et je vais pouvoir faire la petite amélioration de ma V4. Alors, non, c'est pas ici, je suis complètement en train de me tromper. Par contre, j'arrive plus à dash. Ah, c'est bon, ok, c'est revenu. Allez, c'est parti, on va tout en haut. Voilà, let's go. Donc, du coup, là, j'aurai le choix entre deux compétences. Donc, bah, je sais pas. Oh, ok, c'est bon, c'est là. Hop, alors, du coup, on met l'engrenage. Et soit, du coup, le bleu, alors, leave tornado, bing, wind, dashing, tornado, ok, donc là, ça met des tornades à chaque fois que je vais dash, et là, du coup, quand je dash, ça met des longueurs due to electricity, alors là, je sais pas du tout quoi prendre, je pense que je vais prendre le bleu, parce que les tornados, ça a l'air d'être quand même assez stylé, bah, allez, c'est parti, on va prendre les tornades, comme ça, c'est une source, c'est une valeur sûre, mais en vrai, je pense que le truc d'électricité, ça peut être stylé aussi, mais on va prendre les tornades, hop, c'est parti, du coup, on va aller utiliser ça tout de suite. Ok, c'est bon, du coup, j'ai la transformation et du coup, ça fait des tornades dès que je vais dash. Alors, c'est parti, qu'est-ce que ça fait? Ah ouais, d'accord. Oh, ça, par contre, c'est stylé en vrai. Oh, mais les dégâts, mais c'est monstrueux. Ah ouais, par contre, les dégâts. On est déjà à 4000 de dégâts avec les tornades. À chaque fois que je dash en plus. Ah ouais, non, bah, vraiment, là, c'est trop stylé, par contre. Hein. 7000 de dégâts. Ah ouais, non, mais là, c'est abusé, les dégâts. Bon, bah, franchement, la V4, elle est très stylée. Bon, c'est dommage, on peut pas faire plus de trial vu que la pleine lune, elle vient de se terminer. Mais c'est pas grave. Bon, en vrai, franchement, la compétence la plus intéressante, c'était quand même les tornades. Après, c'était un truc d'électricité, mais je pense, à mon avis, ça te permet de faire des dashs plus rapides. Enfin, je sais pas trop à quoi ça sert, mais franchement, les tornades, c'était carrément plus stylé.
Bon bah les gars, si vous voulez voir l'avancée de la V4 de la race Minx, je vous laisse voir mes prochains lives. Donc du coup, pendant mes prochains lives, je vais essayer de l'améliorer, donc ça peut être sympa. Oh d'ailleurs, attendez, ce qu'on pourrait faire, ça pourrait être cool, c'est de chercher le fruit. On va faire ça les refs. Ok, du coup, le fruit, il a spawn ici, donc du coup, on est à 16 mètres. Et oh, un petit Bouddha. Franchement, j'ai beaucoup de chance là, par contre. Bouddha, c'est le meilleur fruit pour faire du farm. Du coup, bah franchement, pas mal. Bon bah les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu sur ce, on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo, ciao tout le monde !